Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Nguis, et bienvenue sur Dragon Age Origins pour la suite des aventures. On en a enfin terminé avec Orzammar, enfin, oh là là, les tréfonds, c'était long, c'était assez pas pénible, hein, faut pas non plus exagérer. Mais bon, c'est intéressant en tout cas, de très très beaux combats à notre disposition, franchement. Des combats de boss excellents. Un petit peu de stratégie entre guillemets, dans le sens où voilà, il faut un petit peu réfléchir, c'est pas tous les jours. Donc voilà, non, mais sans déconner. Je suis vraiment content d'avoir terminé comme Orzammar, parce que voilà quoi. Quand c'est long, on dit le plus c'est long, plus c'est bon, mais pas forcément. Non, gna, gna. Allez, on charge la partie, nous sommes au campement. Et on va aller quelque part. Alors je sais que pas mal d'entre vous, oui, enfin certains en tout cas, je le sais de source sûre, en hâte que j'y aille. Et on va y aller, peut-être pas maintenant, on va attendre un peu. Le mec qui est chiant, le mec qui veut pas. Non, 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 il veut pas. Il ne veut pas vous faire plaisir. Là par contre, j'ai téléchargé un contenu téléchargeable. Oui, c'est ça. Et par contre, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va trouver ces objets, parce que je suis censé avoir téléchargé un truc qui me donne. Donc là, c'est un arc ou un très. Ouh, bel arc. Trou, bel arc. J'ai eu celui-là, l'arc de Bregan. Je sais même pas où je l'ai eu, cet arc. Répétition d'armure plus 3, attaque plus 6. Waouh, excellent. Liliana, t'as quoi comme arc, toi? Dans ton set numéro 2. Tu as. Ah oui, bah oui, bon, tu vas mettre l'arc de Bregan. Arc de Bregan. Voilà. Wow. Magnifique. Oh putain, mais celui-là, il est mis là aussi. 9, mais dans un armure plus 2,5 et lui il est à plus 3. Visée rapide, ok. Mais il est à 9 de dégâts. Est-ce qu'il est beau? Ouais. Non, on va prendre l'arc de Bregan parce qu'il est, il est stylé. Et voilà. Comme j'utilise jamais l'arc en plus, c'est magnifique. Sinon. Bah voilà, donc lisière c'est quoi? 6, ouais, non, c'est pas terrible. Hein. Dégâts plus 5, mais l'attaque, attaque, ok. Bah ouais, non. Et en armure, le. Oula, mais ah oui, j'ai eu des trucs. Ah oui, il est là, mais tout est là, bah, magnifique. Tout est là. Eh oui, l'écu du vrai roi. Eh, mais. Ah putain. Oui, parce que cet arc-là, c'est un arc qu'on a dans le. Avec le contenu gratuit. Hein. Ouah, bah, excellent. Donc tu peux avoir un home, toi, qui est excellent. Poum! Ah oui. Pourquoi pas? Léliana, tu es magnifique avec ton armure sexy et ton casque. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave, on va la laisser comme ça. Léliana, tu es sexy. Ouais, bref. N'importe quoi. Ah la peau. Bref. Win, toi tu peux mettre ce bâton. Non, tu n'as pas plus de bâton. Au niveau de l'armure, tu peux mettre des gants qui sont les mêmes que les tiens. Donc ceux-là, on les vire. Détruire. Alors, tu peux mettre un petit bouclier. Mais non, le bouclier de Rack. Non, il est pourri. On le vire. Ok. Ogren, toi je te mets rien pour l'instant. Alistair, toi. Bouclier de Branka 4, 3, licence de sort plus 4, dégâts aux non, on s'en fout. Et niveau arme, en garde, les gars, en garde. Non, bon, bah non, y a pas grand chose pour toi, désolé, mon petit Alistair. Sten, niveau arme, la hache de guerre. Oh ouais, ton arme elle fait déjà 15 ton arme toi mon petit non mais toi t'es trop fort. Ouais, 13,50 mais lui dégâts physiques, ok donc non. Et niveau armure. Un casque lourd nain. Hey, qui est meilleur? Voilà, toi aussi on aura tous des casques de merde. Ah d'accord, oulala, tout ce que ça rajoute ici en anneau et tout, en amulette, waouh. Ok.
Régénération de santé, en exploration, plus 5 armures, plus 5. Putain, voilà, tout ce que ça rajoute. Défense, plus 6, résistance au sort, plus 2. Résistance au feu, au froid, plus armure. Hein. Et ceinture, ruse, non? Ah, putain, oh là là, tout ce que ça rajoute. Liliana, toi, tu mettras une belle ceinture. Tadam! Voilà. Wow, tout ce que ça rajoute, c'est assez. C'est hallucinant, j'ai envie de dire. Ah oui, là. Tous les attributs plus 1. Non, pas pour toi, ça. Pénétration d'armure, régénération d'endurance, la critique. Ah oui, c'est excellent pour toi, ça, mon petit Iliana. Attends. T'as quoi comme anneau, toi? Oh, t'as que des bagues en or en plus, donc laisse ça, mon fils. Allez. Hop là, c'est parti. Constitution, ok. Bague de régénération, effet de curatif. Défense, putain, résistance au feu. Défense, résistance au sort. Marque de vigilance, défense, non. Oh! Excusez-moi, toujours mon chat. Mon chat, hein, toujours lui. Ok. Et l'amulette, là, c'est des dégâts de feu, donc ça, on s'en fout un petit peu. Quam, du coup, parce que lui, il a quoi? Donc il a ça, quand même, qui est déjà excellent. En tout ça, plus 1, 2. Et je vais mettre tous les attributs plus 1 ici. Voilà. Oui. Ah, mais excellent ça, putain. Waouh. Tous les anneaux qu'il y a. Ma petite win, dégâts de feu. Ping. Charme, régénération de santé, armure, résistance naturelle. Non. Défense, résistance. Excusez-moi, bah du coup, hein, c'est un petit peu le truc shopping aujourd'hui, même si on n'achète pas, mais on. Voilà. Régénération de santé, réduction de l'hostilité, effet curatif reçu, non. Constitution, résistance au feu, non. Dégâts naturels. Oh, mon chat, il se calme. Oui, toi, tu te calmes, s'il te plaît. Désolé, hein, comme d'habitude, hein, vous savez que mon chat, voilà. Voilà, on va mettre ce petit pendentif à Win. Ogren, je dis que non pour l'instant, parce que Ogren, on le verra plus beaucoup, Ogren, hein, ce qui me saoule un petit peu, ce Ogren. Donc, armure, régénération de santé, exploration, non. Et défense, résistance au sort. Ouais, on va mettre ça déjà pour lui. Hop! Ouais, bon, ça la volonté, du coup, on va le virer. Voilà. Et ça, on le vire aussi. Voilà. Réduction de la solidité. Non. Constitution plus 5, résistance au feu. Ouais, on va mettre ça pour toi. Voilà. Et ça, c'est quoi? Volonté plus 1, résistance mentale plus 10. Est-ce que tu aurais pas mieux pour mon petit Alistair? Régénération de santé au combat, réduction de l'hostilité, effet curatif, oui. Ouais, on va lui mettre ça aussi. Voilà. Putain, excellent. Mon petit Sten, alors toi du coup, papa, régénération de santé en exploration, armure plus 1. Et c'est quoi ça? C'est une amulette, ok, pas tout. Tu vas la mettre, ton amulette. Défense plus 3, pourquoi pas? T'en avais pas de ceinture en plus, toi, putain, la honte. Bague d'émeraude, on la vire. Hop! Bague en or, on la vire. Volonté, résistance mentale, non. Résistance au froid. Parce que du coup, t'as pas d'anneau, toi. Par contre, moi, on va te mettre des anneaux un petit peu. Voilà, un petit peu des anneaux, un petit peu bizarre. Ça, c'est une ceinture, une amulette. Bon, on va mettre celui-là, vu qu'il n'y en a plus grand, il n'y en a plus beaucoup de toute façon. La bague en or, on la vire. Et l'anneau mémoriel, bah écoute, il a pas de bonus, mais on va te le mettre quand même parce que. Voilà, parce qu'il est beau. Voilà, hein. Bref, voilà, ouh, bah ouais, bah excellent, putain. Magnifique tout ça. Donc voilà. Morrigan, pas d'armure pour toi. Est-ce que ce bâton est mieux que le tien? Ou c'est le même? Ok, donc celui-là, on peut le virer, il ne sert absolument à rien. Mon petit Canada, bah mon petit Canada, désolé pour toi, mais t'as absolument rien du tout pour toi. Hein. Eh oui. Zevran, on s'en fout. Et Quam, donc du coup, Quam, voilà, l'écu. 4, ok, mais volonté plus 3, constitution plus 3, 2, défense plus 3, armure plus 1. Waouh. Ah, en plus, oh là là, c'est magnifique en plus. Putain, excellent. Excellent. 2 de 10, non, il est moins bon, donc on le vire ce casque. Oui, je ne vends pas, hein, tant pis, j'ai 80 pièces d'or, ça me suffit. Je suis riche.
Donc là, celui-là, on peut le virer. Voilà. Ça fait de la place, hein. En plus, là, comme ça, je gagne pas mal de place. Au niveau des armes, mon petit Kwame, est-ce que j'ai une belle épée ou belle arme plus puissante que celle-ci? Même ça, c'est une arme à deux mains, non. Arme, main directrice à 7,50, non, 7,70, 9,80 dégâts. Ah, mais l'autre, elle est surtutée, l'autre. Ouais. Lisière, ah, je mets deux runes en plus. Il n'est qu'à 6, putain, ah, non, dommage. Ouais, mais je peux mettre que deux runes en plus, donc c'est pas super. Non. Non, non, non. Et j'ai quoi en deuxième set, moi? Ok, j'ai un arc. Okay, j'ai déjà un arc là. Ah oui, donc celui-là, on peut le virer. À quoi que. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 8,40, ouais. Ouais, non, il est pourri cet arc. On en retrouvera bien des arcs, hein, c'est pas ça qui manque, les arcs. Ok, bon. Pas mal tout ça, bah voilà, bah écoutez, je suis quand même bien content, moi. J'ai réussi à m'équiper bien comme il faut. Liliana, avec son arc là-bas, elle est magnifique, elle est sublime, ma petite Liliana. On sauvegarde, et bah oui, on sauvegarde. On va faire une nouvelle sauvegarde au cas où ces objets feraient bugger, ce qui peut arriver des fois, on sait jamais avec les trucs comme ça. Bref, magnifique. Ah, je suis vraiment content là. Oui, je suis content. Est-ce que j'ai des runes sur moi? Ouvrage Fort Maurice, c'est quoi ça? Cet ouvrage donne au lecteur un point pour développer sa compétence. Ensuite, de quoi il sert plus à rien. Eh bah, écoute, Kwame, voilà. Hop! Yes! Docked! Succès déverrouillé, magnifique. Hop! Un petit point ici pour être berserker! Yeah! Berserker et Templier, c'est adjugé. Ensuite ici, maîtrise de la survie. Stratégie, maîtrise de la survie, c'est quoi ça? Le dernier, c'est le personnage qui peut détecter toutes les créatures avoisinantes, quel que soit leur niveau. Il gagne de surcroît le bonus de résistance naturelle ou physique. Parfait! Élite! Ouh! Ah, putain, bien, on a déverrouillé des succès, parfait tout ça. En plus, je passe bientôt de niveau, donc c'est tout bénef. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, parce que du coup, ça a ajouté pas mal de petites choses, hein. Vous avez vu là. Je n'ai pas triché, hein, attention. Ouais, non, c'est juste que, bah voilà. C'est quoi ça? Armure de dragon de sang? Oui, donc oui, je n'ai pas triché, hein. C'est juste que bah j'ai téléchargé le contenu téléchargeable, hein, gratuit, hein, donc ouais, j'ai même pas payé, non, non, c'est gratuit, donc j'ai les prix. Par contre, c'est quoi ça, l'armure de dragon de sang là, c'est quoi ça? L'armure de dragon de sang, si je le mets. Oh putain, magnifique! Ouh, putain, ça rajoute des couleurs et tout. Oh putain! Sans déconner. Comme c'est magnifique! Putain, sans déconner! Toi! Oui, je sais. Putain, la classe! Sa mère! Putain, que c'est sublime! Waouh! Alors là, est-ce que je peux marcher avec? Putain! Ouh, oh putain, avec ce casque qui est magnifique. Oh là 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 là. Alors là, je suis. Oui, je suis. Je vais pas faire comme Monsieur Jordan, mais. Papa, je suis excitation. Voilà. Et on va sauvegarder, puisque là, oui, c'est magnifique. Tout à fait. Bref, ouais, ça fait un quart d'heure, hein, désolé. Ça fait... Et puis là, oh putain. Bon, allez, on va quand même parler à Lydana vite fait. Parce que. Puis-je vous aider? Oui. J'ai quelque chose à vous dire. Oui? De quoi s'agit-il? Je vous aime. Non. On va essayer de parler un petit peu avec elle, allez. Évidemment. J'aime trop les histoires pour les garder pour moi. Selon moi, tout un chacun devrait pouvoir en profiter. Mais j'ai déjà fait ça en plus. Enfin, c'est un off, hein, mais bon. La beauté de Flemette était connue de tous. Ses cheveux avaient la couleur d'une nuit sans lune. Sa peau la pâleur des premières neiges, et ses yeux le bleu vert profond d'une mer déchaînée.
Jeune fille, elle attira l'attention du seigneur de Haute-Sim, Konobar, qui l'a pris pour épouse. Konobar comprit bien vite que sa jeune épouse était douée pour la magie. Il garda pour lui ce secret, de crainte qu'on ne lui enlève sa bien-aimée. Flemeth demeura auprès de Konobar quelques années, et avec sa bénédiction, elle pratiqua son art. Mais un jour, un jeune poète nommé Ozen se présenta au château. Flemeth tomba sous le charme de la voix d'Ozen, lequel succomba à sa beauté, et ils s'éprirent l'un de l'autre. Oh, l'intrigue, c'est nous. Je pense que nous allons... Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Flemeth voulait vivre auprès de l'amour de sa vie. Avec Ozen, elle quitta donc le domaine de Konobar, trouvant refuge dans les terres sauvages de Korkari, au sein d'une tribu Chazind. Ils y coulèrent des années heureuses, jusqu'au jour où Flemeth apprit que Konobar se mourait. Elle souhaita alors revoir son visage une dernière fois. Le cœur de Flemeth était empli de pitié pour l'homme qui avait été son époux, et elle supplia Ozen de retourner avec elle auprès de Konobar. Mais lorsque Flemeth et Ozen arrivèrent à Haute-Sim, ils furent capturés par les hommes de Konobar, et le poète fut exécuté sous les yeux de Flemeth. Flemeth fut emprisonné dans la plus haute tour du donjon, dans l'attente du jugement que prononcerait Konobar. Ravagée par la mort de son amant, Flemeth jura la perte de son époux. Elle convoqua un démon de l'immatériel pour assouvir sa vengeance, mais son sortilège n'eut pas l'effet escompté. Le démon posséda Flemeth et fit d'elle une abomination. Les murs du château se noircirent de sang, lorsque le monstre qui était devenu Flemeth massacra Konobar et sa suite. C'en était fini des derniers vestiges d'humanité chez Flemeth, qui dès l'aube regagna les terres sauvages pour y ruminer sa haine pendant tout un siècle. On rapporte qu'elle prit nombre d'amants chez les barbares Chazind, engendrant maintes filles sorcières qui, encore aujourd'hui, hantent les plus sombres recoins des terres sauvages de Korkari. Merci ma chérie, c'était très intéressant. Laquelle ? Ta vie. Je veux tout savoir, non, ça j'ai déjà fait. Ça vous reviendra, j'en suis sûre. Merci ma chérie. Oh tant pis. Pas de plus simple, plus rien, y'a rien du tout avec ma petite chérie, là, rien du tout. Avec son superbe casque à la pauvre. Ouais. Mais putain, cette armure, je l'aime. Je resterai comme ça. Je resterai comme ça tout le temps, moi. Putain, quelle armure, bordel de merde. Oui, bon, excusez-moi. Bon, bref, allez. Ça fait 17 minutes, quoi. Et on va aller. Nous allons aller plutôt. Est-ce que c'est mieux de dire ça comme ça? Nous allons aller. Nulle part. Vous voyez, c'est possible pour le moment. Et pourquoi la voyage est impossible, monsieur? Pourquoi la voyage est-il impossible? Que se passe-t-il? Mon équipe. Oh putain, il y en a massacre comme c'est beau. Donc quoi, bien sûr. On va reprendre Sten, hein, mon petit Sten que j'aime. Mon Sten qui est magnifique. On va reprendre Win, bien sûr, pour les soins. Oui. Ouais, et on va reprendre Leliana. Yeah. Alors, nous allons aller à la caravane, non, quoique, les environs de Brasiliana, oui je sais, vous voulez que j'aille là, mais on va retourner à la tour du cercle, et oui, car il faut que je parle de l'autre, là, de la gentille petite nana, là, la fille, là, vous vous rappelez, hein, la naine, qui veut faire partie des mages. Il faut que je parle à lui, je suppose, Erving. Ravi de vous revoir, mon ami. Vous serez sans doute heureux d'apprendre que le cercle est en bonne voie de rétablissement. Tout à fait, je suis vraiment heureux, quoi. Voilà. Dagna d'Orzammar souhaite étudier la magie. Orzammar, vraiment? Vous m'envoyez intrigué. On tient pour acquis que les nains sont dépourvus de toute affinité arcanique. Elle aura beau y mettre tout son cœur, elle ne sera jamais capable de produire la moindre magie. Tu n'as jamais joué à World of Warcraft, toi, hein. Je suis désolé, hein, mais bon. Je ne pense pas que cela réfrène sa soif de savoir. Elle me demande qu'elle étudie la théorie de la magie. Elle en est consciente, mais elle n'en démord pas.
Je ne pense pas que cela réfrène sa soif de savoir. Formidable. C'est ma foi très flatteur pour le cercle. Elle est prête à abandonner sa casque et son clan. Pour ma part, je la trouve surtout irréellement. La soif de savoir, c'est une noble inclination. Elle en a rêvé toute sa vie durant. Ne la décevez pas. Ouais. Je ne saurais refuser à quiconque, humain ou nain, l'opportunité d'apprendre. Il est indigne de contrarier l'aspiration au savoir. Veuillez informer Dagna d'Orzammar qu'elle a choisi une voie difficile, mais que si elle le souhaite, elle est la bienvenue dans le giron du cercle. Elle vivra et étudiera parmi les apaisés, voire les apprentis, lorsque le moment sera venu. Merci, premier enchanteur. Je porterai la nouvelle à Orzammar. Si seulement le cercle était en meilleur état, je crains qu'une déception ne l'attende à son arrivée. Mais non, ce n'est pas grave. Peut-être, mais c'était son choix. Ah, voilà, pourra participer à l'effort de construction, tout à fait. Sa présence sera certainement très instructive. Nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins nains. Oui, plus j'y réfléchis, plus cette idée me plaît. J'y vois volontiers le signe que les choses s'améliorent pour le cercle. Je vous remercie. Vous avez beaucoup œuvré pour le cercle, et nous vous en sommes reconnaissants. À présent, c'est votre devoir de garde des ombres qui prime. Je vous souhaite bonne chance. Sachez que vous serez toujours le bienvenu ici. Eh ben ouais, hein. J'espère bien quand même. Oh bah tiens, Stan qui a gagné un niveau, magnifique. Plus 6 pour lui, tout. Un petit peu de constitution aussi pour lui, parce que là... 3. Berserker aussi pour toi. 36, 37 et 25 en constitution. Comme ça, il encaissera beaucoup mieux encore. Berserker, 1 point. 1 point. Ah, excusez, ça faisait 2 niveaux que je l'avais pas fait, lui, putain. En même temps, c'est normal, vu que oui, c'est logique, vu que je l'ai pas joué depuis un petit bout de temps, donc parfait. Bah écoutez, ça c'est magnifique. Bah, je serais allé voir si lui, là, l'autre, là, il a pas un nouveau sac à nous vendre, lui, c'est lui. Vous avez vraiment... Il va sûrement vous falloir des provisions après tout ça. Tout à fait. Aurais-tu un autre sac en réserve, mon jeune homme, mon jeune ami? Non. C'est quoi ça, ruine, résistance au sort? Non, j'en fous. Non, il n'y a pas grand-chose. En épée, est-ce que tu aurais... Au cas où, on ne sait jamais, une belle épée qui serait hyper archi-puissante... Non. D'ailleurs, mon épée, c'est plus une épée de voleur, hein, avec la dextérité, bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas une épée d'air, je crois que c'est une hache que j'ai, moi. Ou une masse, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Magnétisme 10-50, très puissante, mais il n'y a pas de bonus dessus, donc on s'en fout un petit peu. Une dague, hache. Précise technique mystique, c'est quoi ça? Pourquoi c'est pour les mages? Ah bah on va à 18 PO quand même. Mais on va le prendre quand même pour win. Hop. On va le prendre pour win. Voilà, win. Voilà, un précis. Hop là. Gain de niveau pour elle. Dommage, elle n'a pas développé d'autres caractéristiques, dommage pour ça. Un point en plus pour mage, bien. Instinct, création. Lanceur redirige un flux d'énergie réparatrice vers tous les membres du groupe qui accélère considérablement leur régénération de mana et d'endurance pour une courte durée. Non. Tant que ce mode est actif, le lanceur augmente les vitesses du groupe, ce qui permet tous de se déplacer, d'attaquer nettement plus vite. Ça impose toutefois l'énergie manus d'attaque. Non, c'est pas terrible ça.
Le mage a développé une grande maîtrise des arcanes et gagne un bonus à peu près sa puissance. Voilà, ça sera plutôt ça pour toi. Bien, 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 bien. Les choses se passent pas mal pour l'instant, en tout cas. Très, très bien tout ça. Oui, 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 oui. Quam, arrête de sauvegarder. Quam, quam, quam. S'il te plaît, s'il te plaît. Passer une porte, ça peut être dangereux des fois, donc attention. Oui, donc ça c'est fait. Parfait, on va aller au Orzammar. Oh putain, non, non, on va pas au Orzammar. Si, on va retourner au Orzammar pour... un combat. Pour annoncer quand même à Degna que, voilà, que c'est bon, qu'elle peut y aller. Waouh. Ah, ça c'est des gentils, d'accord. Oula. Allez, on va taper l'ogre. Ouh, j'ai gagné niveau, ça y est. Parfait. Oh putain, Sten. Oh là 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 là, Sten. Ouais, bon, c'était bien d'attaquer, quoi. Hop, voilà, ça c'est fait. Bien joué, les gars. On les a achevés tranquille. Ah, et non, encore. Oh putain, d'accord, d'accord, il y a un ogre encore ici. Ouais, bon, c'est bon, ils vont s'en occuper. Hein. C'est bon. Moi, non, moi je ramasse. La mort soit sur vous. Dague en fer. Non. Cataplasme. Oui, 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 là, bah écoutez, hein, c'est un petit combat de merde. C'est bon, hein, ils vont pas nous faire chier. Hein. Ils s'en sortiront très bien sans moi. Hein. Encore des cataplasmes, parfait. Parfait, voilà, ouais, je vous l'avais dit, hein. Wow, ce ralenti de la mort. Donc j'ai gagné un niveau, c'est parfait, mon petit ogre, qu'est-ce que tu as? Oula. Comme qui se déplace, comme qui se déplace. Merci Sten de ne pas me gêner. Dernière, c'était pas Sten, si Sten. Ok, bon, j'ai gagné un niveau en tout cas, ça c'est parfait. Hop là, trois petits points à mettre, et oui, c'était rapide, hein, ça fait plaisir quand même. En force, 35. Constitution, on va mettre deux petits points en constitution, ouais. Pour encaisser un peu plus quand même, parce que bon, voilà. Berserker, l'odeur du sang de la mort plonge le berserker dans une fureur volontaire qui lui confère un bonus de dégâts, mais aussi un malus de régénération d'endurance. Réduit le garde-fou dans ce mode obstination. Ajoute un bonus de régénération de santé. Et Templier, c'est quoi? Le Templier élève tous les efforts magiques pouvant être dissipés dans la zone, en bien comme en mal, allié comme ennemi. Non, un petit point en berserker. Yeah. Yes. Yes, yes, yes. On décale tout. C'est quoi ça? Tiens, oui, c'est pour l'arc en plus, on s'en fout. Je rigole parce que bon, enfin, non, bref. Allez, on bouge parce que voilà, on bouge, mais on va bouger manuellement. Oh putain, je suis content là. Ah bah putain, là on a bien évolué en tout cas. Bon, vous avez rien à dire vous là? Soldana. Orzammar a répondu à votre appel. Nous sommes à vos côtés, garde des ombres. Orzammar a répondu à votre appel. Nous sommes à vos côtés, garde des ombres. Nous sommes à vos côtés, garde des ombres. Ok, c'est cool. Donc c'est par là. Allez. Oh putain, la grosse mare de sang là. Oui, continuons notre périple vers Orzammar. Putain, j'ai pas envie d'y aller. Je ne voulais pas retourner à Orzammar. Et là, tout le monde est en train de dire, mais quoi, va dans cette putain de forêt de Brésiliane. Oh, bonjour. C'est moi que revoilà, j'ai changé d'armure et tout. Bonjour. Comment allez-vous, mes amis, nena? Une porte par là. Ah oui, d'accord, je suis carrément arrivé. Oui, bah oui, forcément. Oui, donc elle est par là. Degna, elle est là. Salut. Elle va être contente, je pense. Enfin, j'espère, elle a intérêt. Bonjour. Je peux? Oh, c'est vous? Eh oui, c'est moi. On ne s'est pas vu depuis longtemps.
Assez pour faire l'aller-retour jusqu'au cercle, non? Vite, racontez-moi tout, je vous en prie. Le premier chanteur, Irvine, accepte de te laisser étudier. Ton père ne veut pas... Non, on s'en fout. Tu peux aller vivre au cercle parmi les apaisés. Les ancêtres vous bénissent. J'ose à peine y croire. Aucun observateur nain n'a fréquenté le cercle depuis Ureldin au XIIIe siècle. Il faut que je fasse mes valises. Oui. Non, ça mettrait la puce à l'oreille à mes parents. Ah oui. Qu'est-ce que je dois prendre? Des livres, de l'argent pour les frais de scolarité? Ne t'inquiète pas pour l'argent. J'apprécierais... Non. Rien, les mages ont besoin de tous les alliés possibles. Alors je dois partir, avant que mes parents ne viennent me chercher. Oui. Si jamais vous retournez au cercle, on se reverra peut-être? Certainement. Bien, ben voilà, une petite quête tranquille. Personne n'approuve, personne n'est pas content. Et on se casse vite de cette ville. Je ne veux plus voir cette ville. Je ne veux plus y retourner. Jamais. Bon, je retournerai certainement à un de ces quatre, hein, mais là, pour l'instant, non, c'est bon. J'ai donné. Ça fait 31 minutes. Oh là 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 là. Bon, on va continuer un tout petit peu. J'ai le temps d'aller dans la forêt de Bresselian, au moins pour se préparer là-bas. J'ai vu ce que vous faisiez tout à l'heure. Oh? Allons, ne faites pas l'innocent. Mais de quoi parlez-vous? Vous étiez en train de cueillir des fleurs, là, dehors. Non, c'est faux. Mais si. C'était à but médicinal. Vous êtes un gros nounours. Jamais plus nous n'en reparlerons. Nounours. Excellent, là. La gamine, quand même. Nounours. Et puis Sten, oui, forcément, Sten, il veut pas avouer, mais oui, oui Sten. Sacré. Oh, attends, on fait un sacré groupe avec nos super casques, là, magnifique. Pauvre Liliana, quand même, je lui gâche son beau visage, je lui cache son beau visage, je lui gâche aussi en même temps, oui, c'est un peu ça aussi. Et bref, ouais, bref, voilà. Non. Allons paisiblement, sagement à. Réfugié, je l'ai fait. Repère, ça, je l'ai fait. Guerre civile, ça je l'ai fait. Le château de Golfolo, ben, je l'ai fait. Faudrait que j'y retourne dans le C4 là, juste pour voir ce qui se passe là-bas. Le temple ruine, je l'ai fait. Le village d'Ars, je l'ai fait. La caravane, on va aller voir la caravane. Oui, le mec il fait tout pour pas aller à la forêt de Bresselian, hein. C'est hallucinant. Du coup, là il me reste plus que la forêt de Bresselian, la guerre civile, le champ de bataille, et bien sûr finir plein de choses à Denerim, hein, ça c'est sûr. Il va falloir aussi que je retourne à Golfolo, je pense, un de ces quatre. Voilà, la caravane. Si j'aime aller ici, je crois. Si. Des engences, pas de quartier. Salut. Waouh. Ouais, l'émissaire va se charger de lui déjà direct. Hop. Laissez-moi un peu respirer, d'accord. Attention. Ouais, on va s'appeler des émissaires avant, car c'est vraiment le plus chiant les émissaires. On va tester le berserker, tu vois. Donc là, voilà, j'ai un truc rouge, je sais que je ne peux pas me soigner, voilà. Le chef est là-bas. Allez, on va aider. Parfait. Alors, attendez, hop. Une caisse là-bas. Une bague en fer. Génial, merci. Quelle richesse. Donc, toi, tu avais quoi? Truc en rien. Toi. Extrait de vivre racine, je m'en fous. Mieux totalement. Vaut tard que jamais. De fer, ok. Ah, il y a un coffre là-bas, ok. Okay. Toi, t'as fait un petit peu d'argent. Là-bas, il y a des vivres racines, il y a une fleur, ok. On va aller voir le coffre. Liliana. Ah non, il est ouvert, ok. Champignon de tréfonds, on le prend, voilà. Eh ben écoutez, bah, j'ai bien fait de venir ici, au final, il n'y avait rien de spécial à faire.
Je pensais que c'était une zone un peu plus, mais non, au final, c'est juste un truc de merde en fait. Ok. Et nous allons dans les environs de Bresselian. Enfin, nous y allons et on va se laisser là. Et oui. Ce sera pour le prochain épisode de la forêt de Bresselian. On va juste aller à l'Orée. Ah, une cinématique en plus, excellent. Plus un geste étranger. Les Dalassiens ont établi leur camp ici. Rebroussez chemin sur le champ. À vrai dire, je vous cherchais. Est-ce que ainsi. Ainsi que vous accueillez les voyageurs? Aucun voyageur ne fait halte dans notre camp. Nous ne pouvons vous offrir ni le gîte ni le couvert. Je vous conseille de passer votre chemin. Vous êtes bien sûr, et je paye en espèces. Non, non. À vrai dire, je vous cherchais. J'ai peine à le croire. Qu'est-ce qu'un groupe comme le vôtre pourrait vouloir aux Dalassiens? Écoute. Je suis garnison, j'aimerais parler à votre chef. Je n'en parlerai qu'à votre chef. J'espère bénéficier de votre hospitalité. J'aimerais acheter des pièces dans. Non. Garde des ombres? Comment savoir si vous dites vrai? Tu vois ma lame? Vous devez me croire sur parole. Y a-t-il tant de faux gardes des ombres qui viennent nous voir? Non, effectivement. Le mieux est que je laisse l'archiviste en juger. Un conseil. Parmi nous, gardez-vous de tout geste suspect. Souvenez-vous que nos arcs restent braqués sur vous. Suivez-moi. Ok. Bonjour. Tiens, des visiteurs. Qui sont ces gens, Mitra? Je n'ai ni la patience, ni le temps de recevoir des étrangers. Cet homme se prétend garde des ombres et souhaite parler au clan. J'ai jugé préférable de vous laisser en décider. Tu as bien fait. Maseranas, Mitra. Retourne donc à ton poste. Manuvenin. Sur ce, permettez-moi de me présenter. Je suis Zatrian, archiviste de ce clan, son guide et dépositaire de notre savoir ancien. Et vous êtes? Putain, regardez-moi cette allure! Ouais, aïe, aïe! Putain! Bref, on est quoi pour vous servir, archiviste, une sorte de bibliothécaire? Mon identité vous importe peu, non, appelez-moi quoi, me. Pour me servir, un chemlem, c'est inattendu. Quelle est donc votre mission? Vous venez nous avertir de l'enclin? J'avais ressenti la corruption qui se propage au sud. L'existence de l'enclin m'est déjà connue. Si nous étions en mesure de nous déplacer, j'aurais déjà levé le camp vers le nord. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À l'annonce d'un danger, il commence par s'enfuir. Étrange réaction. J'imagine que vous venez en vertu d'un traité conclu il y a plusieurs siècles. Hélas, nous risquons de ne pas être capables de l'honorer. Je vous dois quelques explications. Suivez-moi, je vous prie. Oula. Voilà un mois que le clan a fait halte dans la forêt de Bresilian, comme de coutume, lorsque nous voyageons en ces lieux. Nous restons toujours vigilants, bien au fait des dangers que recèle la forêt, mais nous n'aurions jamais pu nous douter que les loups-garous guettaient notre arrivée. Ils nous ont tendu une embuscade. Nous sommes parvenus à repousser ces monstres, mais à quel prix? Bon nombre de nos guerriers sont actuellement sur leur lit de mort. Malgré toute notre magie et nos pouvoirs curatifs, nous allons être contraints d'achever nos frères pour les empêcher de se transformer en bêtes féroces. Il faut arrêter l'enclin, mais nous ne sommes pas en position d'honorer nos obligations. J'en suis sincèrement navré. C'est tout. C'est tout, comme ça. Il n'y a pas moyen d'aider vos hommes, mais il y a vraiment des loups-garous, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, non, des loups-garous. Pourquoi ces monstres ont attaqué? Il doit bien vous rester quelques guerriers, alors rechercheur d'elle. Non, non, il n'y a pas moyen de vos hommes. Ils souffrent d'une malédiction qui court dans leurs veines, leur fait souffrir le martyr, et aboutit à leur mort ou leur transformation en créatures monstrueuses. Le seul remède à ce mal s'obtient à la source même de cette malédiction. Autant dire, une mission suicide. J'aime les missions suicides. J'aime les missions suicides. Bah oui, j'ai l'habitude, c'est clair. La forêt de Bresilian abrite un grand loup que nous appelons Versipel. C'est lui qui est à l'origine de la malédiction. C'est son sang qui l'a propagé. S'il venait à mourir et que l'on m'apportait son cœur, je pourrais peut-être dissiper la malédiction.
Hélas, cet exploit dépasse nos compétences. C'est logique, un cœur, pourquoi pas. Voilà une semaine, j'ai envoyé des chasseurs dans la forêt. Ils ne sont pas revenus. Je ne peux pas risquer d'autres pertes. Je trouverai ce versipel à votre place. Vous songez à acquérir de l'aide. Si je vous aide, qu'obtiendrai-je en retour? Ouais, ça semble ça. Vous pouvez peut-être aussi... Ouais. Notre participation face à l'enclin, cela va sans dire. Et notre gratitude. Ok. Je dois vous avertir que les loups-garous ne sont pas les seuls hôtes de Bressiliane. Cette forêt, voyez-vous, a un passé lourd de carnage et de meurtre. Lorsque les morts s'amoncellent ainsi, le voile qui sépare le royaume spirituel du nôtre se fragilise, ce qui permet aux esprits de posséder vivants et cadavres. Mais si vous pouvez effectivement nous aider, je vous souhaite bonne chance. Dans ce cas, je vous propose d'aller voir Maître Valathorn. Je lui demanderai de vous mettre de côté quelques objets, de ceux qu'utilisent les chasseurs. Si vous le permettez, mon peuple m'attend. Que les faiseurs vous protègent. Merci, merci, merci. Donc, pas mal de choses, là. Codex, nouvelle capture d'écran, quête mise à jour, ok. Et donc, on va se laisser ici, dans la forêt de Bressiliane. En tout cas, c'est joli. Ah, là, il y a une quête ici, ok. Bon, bah, on verra ça la prochaine fois. Il y a une quête là-bas encore, on le voit. La carte, voilà, donc il y a deux quêtes, trois quêtes à prendre. Ok. Sur ce, on sauvegarde. Non, on sauvegarde pas tout de suite. Car j'ai envie que ce soit joli, voilà. Et oui, maintenant j'ai appris comment faire tout ça, donc ah là là. Enfin, comment faire, c'est tout con, c'est une touche à appuyer, mais bon. Voilà, magnifique, 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 y a pas d'autre mot. Même si Lyanna, mais bon, bref, c'est pas grave. Sur ce, les amis, on va se laisser là, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous demain, si tout va bien, si j'ai le temps. Au campement d'Alassien, dans la forêt de Bressiliane, pour de nouvelles aventures, de nouvelles créatures à affronter, apparemment des loups-garous et autres monstres sans nom. Voilà, allez. Un épisode en tout cas riche en événements tout de même, je trouve. Hein. Il s'est passé pas mal de choses, même si on n'a pas beaucoup avancé, mais mine de rien. Voilà, allez. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.